Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey. Voilà, j'aime bien vous faire attendre un petit peu, c'est toujours un petit peu, c'est un peu comme, ça me rappelle un petit peu, vous savez, pour ceux qui regardent la télévision, oui ça existe encore la télévision, j'ai appris ça. Pour ceux qui regardent la télévision, il existe encore l'émission nommée, N'oubliez pas les paroles avec Nagui, il me semble, de mémoire. Et donc, dans cette émission, il y a un running gag. Le fait étant que... Ok, je suis mauvais. Ça aussi, c'est un running gag. Le fait étant qu'il fait toujours ça et ça fait ding 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 et donc tout le monde veut le faire. Et donc du coup, moi je fais un petit peu pareil, c'est pas de la copie, hein. c'est pas du tout ça hein, le principe. Hein. Juste que j'aime bien un petit peu vous faire patienter. Enfin sur le principe, vous savez, comme beaucoup en fait ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'entre vous ont fait, quand ils me voient dans un jeu ou n'importe quoi et qu'ils se rendent compte que c'est bien et bien moi, ils font « Salut les viewers, c'est Marcus Bonus », que ce soit l'écrit ou un truc. Et donc du coup, moi j'aime bien... mettre ça un petit peu. Hop. Mettre ça un petit peu. Réservé au directeur. Docteur Morgan New. D'accord, donc je suis baisé pour ce truc-là. Donc là, nous avons un coffre de rang 4. Donc j'ai pas le code du coffre, forcément. Je vais quand même. Crouch. Voilà. Essayer d'aller voir si on peut pas le trouver rapidement. Apparemment, ce n'est pas le cas. Différentes boîtes de serveurs. Ça pourrait être intéressant d'aller vérifier si c'est pas là-dedans, cela dit. Oui, différents. En fait, c'est différents petits coffres. Vous voyez, Felton, c'est des coffres, en fait. C'est littéralement des coffres. Intéressant. Ah, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant, personnellement. Hop, je force le déverrouillage, ce qui fait que du coup... Non, c'est bon, ça a l'air d'aller. Ok, donc ça c'est fait. Ok, on remonte. Vous savez que dans l'autre pièce à côté, il y avait des choses que j'aurais bien aimé faire et vérifier et voir et tout ça. Du coup... Oula, il a failli m'arriver une couille. On y retourne. Voilà. Donc on va tendre l'oreille et écouter s'il y a des problèmes électriques qu'on n'a pas résolus. C'est possible, hein. C'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, est-ce que c'est encore une autre... Un autre passage, selon vous, tout ça. Parce que là, ça fait un petit peu compliqué à rejoindre, en fait. Par contre, en termes de maîtrise, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres problèmes, quoi. C'est ça qui me dérange, finalement. Non, tant pis. Tant pis. Bon, bah, tant pis, on n'aura pas le... L'accès à tout ça, hein, tant pis, hein, c'est comme ça. Ça, vous voyez, c'est fermé. J'aimerais bien rentrer dedans, mais c'est fermé. Ça, pareil. Porte non alimentée, verrouillée. C'est dommage, hein. Ah, est-ce que ce serait derrière ça? Est-ce que ce serait peut-être derrière ça? Ah ah! Attendez. Les grenades. Recyclantes, voilà. Oh, si ça pouvait recycler ce qu'il y avait... Oh bah merde, ça a fait que la moitié du job. Ok, bon bah c'est pas grave. Il y a une boîte. Attendez. Non, c'est pas un truc que je peux... Non plus. Ok, bon bah tant pis, apparemment on peut pas faire grand chose d'ici, hein, tout simplement. Hein. Et donc il nous fallait un code aussi, il me semble, de mémoire. Et par là il y avait un drôle de bruit, je m'en rappelle de cette histoire. Et donc ici, voilà, il y avait ça déjà. Il y a des trucs que j'ai pas pris là. Prendre les munitions, c'est pas grave. Ok. Alors déjà, il y avait un coffre.
Apparemment, j'avais pas craqué parce que je n'avais pas le code. Ce qui est assez con, faut l'admettre. Là, j'avais pris des choses. Enfin, j'avais pas pris certaines choses aussi au passage. Là non plus. Crac. Ok, bah dis donc, je suis vachement. J'étais vachement concentré quand j'ai fait tout ça, dis donc. Ok, bon, ça c'est pas trop mal. Du coup, je te répète. Merde! Quel con. Quel con, quel con, quel con, quel con, quel con. On va la pirater. Quel con, quel con, quel con, quel con. Hop, mon meilleur ami qui m'envoie un texto. Hop. Merde. Allez, vas-y Marcus, comme ça c'est pas grave. W, c'est bon. W, c'est la première fois que je l'ai. Ok. Scan de la cible matériel Typhoon non concluant. Enregistrement de la demande de calibrage. Saisir l'idée du bracelet. Borne. Attendez, j'avais pas déjà tout fait ça à ce niveau-là? Je l'avais fait normalement. Oui. Merde. Merde. C'est débile. C'est tellement débile. C'est tellement débile. On va ça. Voilà. Donc ça c'est bon. J'avais pas fait tout ça. Activer le bracelet de demande. Bah c'est bon, c'est fait. Localiser Grant. Il semblait l'avoir fait. Bizarre. Bizarre. Inquiétant. Mais bizarre. Banque de données centrale, ok. Tout va bien, ok, bon bah écoutez. Hop, on va transférer le rebut. Trier au passage. J'ai pas de choses en double apparemment, donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai quand même 5 neuromodes. J'ai quand même 5 neuromodes. Ça, ça m'intéresse. Neuromodes. Ok. Espérance de vie montée de 50 ans. Ça pourrait être pratique. Ça, ça pourrait être sympa aussi. Ça, c'est quoi? Explosion cinétique, tout ce qui se trouve dans un rayon de 7 mètres dans la zone d'effet. Ça, ça peut être intéressant aussi. Champ de gravité. Piéger des ennemis, ça peut être intéressant aussi pour les, comment, des combos de pièges un petit peu si je puis dire. Ok, résistance thermique, ok, pourquoi pas. Ça c'est quoi? Régénération. Ouh. Création de fantômes, ça, ça pourrait être intéressant. Ça, ça peut être cool aussi. Répulsion, résistance à la peur. D'accord. J'ai bien envie de partir sur ça. J'ai bien envie de partir sur ça. On y va. Comme ça, je vais pouvoir me sauver la vie des fois grâce à un fantôme. Le cauchemar vous traque. Ouais, mais il pourra jamais rentrer là, donc c'est bon. J'aurais où ils viennent passer par une porte. Je rêve où ils viennent passer par une porte. C'est nouveau, ils faisaient pas ça avant. Ils faisaient pas ça avant. Ils faisaient pas ça avant. Qu'on se mette d'accord.
faisais pas ça avant. On est d'accord, il faisait pas ça. Il faisait pas ça, c'est pas possible. Je l'aurais vu s'il faisait ça. Carrément vu s'il faisait ça. Bah alors, tu fais ta baleine et tu... Allez. Ah merde, tu fais ta baleine ? T'es bêtement coincé ? T'as quand même l'air d'un con, hein, je veux pas dire bonhomme, mais... J'ai plus de balles. Normalement... What? Ah oui, ça pardonne pas. Je me suis bouffé une balle de je sais pas où, hein. Vous avez remarqué que on a aucune idée d'où elle vient. On a aucune idée d'où elle vient, hein. Mais je suis mort. C'est débile. C'est absolument débile. Non, 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 non. Attendez, 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 tu te fous de ma gueule, là, il y avait un moyen de désactiver le truc. Non, 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 attends. Voilà. Non, 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 tu vas pas me faire le... un coup de pute pareil. Non, je veux pas le désactiver. Voilà, et donc il est toujours actif. Soyons d'accord à ce sujet-là. Objectif. Oui, c'est bon. Pfiou. Pfiou, 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 pfiou. Et donc il revient pas, l'autre... L'autre toutoun. Apparemment il revient pas. Ce qui pour nous est assez cool, hein, faut le reconnaître. Un passage derrière ça. On aurait bien un passage derrière ça, non? Opérateur à l'approche. Non, c'est moi qui suis bête. C'est moi, hein. Apparemment, c'est moi. Tant pis. Ça, c'est pas rassurant, là. La vieille trace noire. Ah! Finalement, ça pourrait ne pas être si mal. La vieille trace noire. Parce que j'ai toujours mes neurobots, normalement. Mais non, mais putain, mais je suis con, mais alors les... Oh, les touches, mais c'est vraiment mal fichu, hein. Je voudrais zoomer avec le truc, je peux pas, parce que c'est le seul arme avec laquelle je ne peux pas. Voilà. Quoi? Non, non, mais... Opérateur à l'approche. On peut pas zoomer avec les armes. Putain, je commence à confondre les jeux, voilà autre chose. Pouvoir. Alors, est-ce qu'il faut que je récupère le pouvoir de création de fantôme ou pas? Oui, apparemment, oui. Ah. Donc on va se créer notre fantôme. N comme neuromode.
Voilà. Et donc... Bonjour la vie. Opérateur ingénieur là-haut. Opérateur à l'approche. On y va. On y va. Pas à travers les murs. Hop. Attendez, là je devrais pouvoir la voir. Putain, il s'est mis au seul endroit où je peux pas le toucher, je peux pas le voir. Apparemment. C'est bon, je l'ai eu. Régénération de disponible psychique. Faiblesse psychique. Oh putain. Nouvelle aptitude psy disponible. Trop statique. Onde de choc. Choc psychique. Putain mais... Bon le jeu veut pas, le jeu veut pas. Hein. Mais non, j'étais à deux doigts de l'avoir. J'étais à deux doigts de l'avoir. Oh là là. Ok, bon, c'est pas grave. Ok, bon, on va se bouger de là quand même, parce que ça fait quand même... Je sais pas combien de temps qu'on est dessus, attendez, je regarde. Hop. Ça fait 20 minutes qu'on est sur la même place. Hop, voilà. Crac. Allez, sauvegarde, parce qu'on l'a battu, plus ou moins. Hop. D'ailleurs, merci à mon indispensable fantôme. Qui m'aura littéralement sauvé la peau. Objectif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Banque de données centrale, stockage. Microgravité détectée. What the... Okay.
chose qui m'a fait un drôle d'effet là. Maintenant. Ou alors sinon je peux faire. Non, c'est vraiment pas le bon pouvoir, hein, j'ai l'impression. Là, ça c'était le bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Tisseur. Il est en flamme. Hey, tu m'as vu? Et je suis effrayé. Regardez. J'ai eu un paquet d'un seul coup. Je peux pas le voir. Oui, c'est bien, fais-moi peur. Ah bah d'accord, ok, je peux pas le voir parce que pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà vu. Hop, pause. Recherche. Non, si, c'est ça. Tisseur. Qu'est-ce que t'aimes pas? Onde zéro, onde psychique. Onde zéro, ça peut être rigolo. Parce que sans l'onde zéro, enfin avec l'onde zéro, il pourra plus rien faire. Manipulation instant, mimétisme, choc psychique, contrôle mental, contrôle des machines, contrôle création de fantômes. Ok, c'est bon, on l'a eu. Recharge vite. Voilà, on l'a eu. GG à vous. GG à nous. Ok, c'est bon. Dans la flaque, il n'y a rien dans la flaque, forcément. Ça doit être ça. Voilà, tisseur, parfait. Ok, on est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Installer un disque. Ah oui, mais pour ça, il faut le disque. Je présume. Ok, et j'ai plus beaucoup de balles. J'ai plus beaucoup de balles du tout d'ailleurs même. C'est marrant parce que c'est pas que c'est intelligent, c'est que ça se regroupe. Ok. J'ai pas eu le droit de la faire exploser apparemment. Elle est restée là-bas, regardez. Merci. Jeu qui m'interdit de faire des choses. C'est joli cela dit, hein. Ok, c'est bon, je viens de comprendre le positionnement du truc. Oui, ça se voit que c'est un disque de secours. Ça se voit. Je suis perdu. Chou.
putain. Ah la vache. Dégage. Voilà comment tu dois libérer la zone avant, quoi. Ok. C'est bon. Installer un disque. Disque non autorisé, continue. Vas-y, fais péter. Disque dur installé. Bon travail. Je craignais que le disque dur ne soit endommagé. Non, c'est bon, ça passe. Vous pouvez utiliser le port. Une seconde. Ça ne te dérange pas, je vais réparer ma combi. Voilà, merci. Produiront alors votre clé d'armement. Étrangement, ça a l'air d'être atteignable. Ce qui, dans ce jeu, est déjà beaucoup. Ah oui, d'accord. C'est autant atteignable que mon cul. Boum. Ok, bon, on va visiter un petit peu l'endroit avant. De nous en aller. Apparemment, il n'y a pas grand chose dans la zone, hein, n'empêche, hein, je veux pas dire. Gravité normale. Ouf. Détectée. C'est pas flippant quand ça te chope, hein. Connard! Putain, j'ai plus de balles. Ça prendra. Ok, en train de me dire qu'il y a eu du repop. Je suis parti 10 secondes et il y a eu du repop. Allez, vas-y. Scan de la cible, matériel Typhoon non concluant. Crac. C'est quoi toi? Aucun mot de passe. D'accord, j'ai pas le mot de passe. Pas autre chose. Voilà autre chose. Ok. Pas le mot de passe. J'ai pas le mot de passe. Bon bah cool. J'ai juste pas le mot de passe du tout, quoi. Bon, on sait qu'il y a une bestiole dans le coin, hein. On sait pas trop ce que c'est encore, mais... Et on sait qu'elle est présente. Au cas où, je te laisse faire le taf. 15,89. Va. J'avais laissé un fantôme en moi ici. Soyons d'accord, j'avais laissé un fantôme ici, précisément. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu sauvage C'est quoi ce bordel? Parce que quand même, là faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Quelle est votre excuse? Est-ce qu'il serait devenu sauvage? Je fais gaffe quand même. Voilà. Bon, crayon de trois petites choses. Exemple, balle de 9 mm. Ça peut être intéressant. Il faut vraiment qu'ils améliorent cette interface parce que un par un c'est long comme ma bite. Hop, voilà. Ok, bon, ça c'est fait. Kit de secours, j'en ai plus qu'un. Oui, vas-y, fais péter. Hop.
Allez. Plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, 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 t'es chaude là. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, dépêche. Voilà, ça doit être notre 8 ou 9ème là. On fait le 10ème et puis on est bon. Ok, ça c'est fait. En termes d'hypopsie, on est encore à... On en a 4, on en a plus d'un paquet. On consomme l'hypopsie, on consomme. Ah, ça en fait 2 à chaque fois. Ça en fait 2. C'est rentable. Ça j'en veux bien. Je vais en péter une. Ouais, bon, on verra pour la suite. Bonjour. Ok. Bonjour. Ah, d'accord, transférer le dossier. Morgan You, clé armement. Cool, on l'a. On l'a, on l'a. Ça, ça pue. Ça, j'aime moyennement. Morgan. Ah non. Pardon, l'autre. Je peux rien faire pour vous de là où je suis. Mais j'ai promis de vous aider. Alors écoutez bien. Le stockage est constitué de divers modules de données qui peuvent être détachés de la station. C'est un système de sauvegarde redondant. C'est votre porte de sortie. D'accord. Regardez sur mon poste de travail. Je vous montre un outil qui vous permettra d'ouvrir l'une des chambres de données. Une fois à l'intérieur, cherchez la commande de largage manuel. Ensuite, votre cul se retrouvera dans l'espace, comme le mien. Et si vous parvenez à retourner à l'intérieur, faites-moi plaisir. Tu es le fils de pute qui a fait du mal à Abby. Sinon, je vous jure que je reviendrai vous hanter. Comptez sur moi. Ah, le voilà. Donc il s'est rallumé, en fait, le machin. Oui, pourquoi pas. Module déjà éjecté. Module B, alors, du coup. Fait péter. Hop. Dossier. Donc ça, je les ai déjà. C'est là-bas qu'on va. Ok, bizarre. Bizarre, bizarre. Ah bah c'est les trucs, d'accord, que j'arrivais pas à ouvrir. Why not? Vas-y, fais péter. Fais péter, fais péter. Ok. Ah, d'accord. Push the button. Au passage, la régène, ça pourrait être intéressant. Il m'en faudra 3, puis 5. Ok. Je suis pas libre de mes mouvements, hein, je précise. Pas du tout libre de mes mouvements. Transcrive, allez, on va le lire. Je t'écoute. Vous savez, vous ne commencez que dans 2 heures, mais j'ai besoin de vous tout de suite. C'est bien, c'est que je suis inconscient, mais j'entends quand même. Oui, c'est bien fait. Ok, cool. Ils ont peur. Non, rien ne doit perturber la formation de souvenirs. Intéressant. La formation de souvenirs. C'est intéressant, selon moi. Sésame. Wow. Que vous pourrez...
pourriez utiliser. Je pense que vous pourriez retourner dans la station à partir de là. Clé d'autodestruction. Cool. Moi, je vais par là. Hop. Ça va être fermé, c'est ça que tu vas me dire? Apparemment, hein. Cela dit. Hop. Je suis curieux d'aller voir. Fermé? Bah alors? Oh! Accès aux navettes verrouillées. Intéressant. Alors. Cadavre humain, j'ai déjà trouvé. Entrant. Somme de frais. Votre cellule. Peut-être une tentative d'évasion. Comme moi, c'est dehors. Mais ça, connard. Vous saviez déjà. Vous avez des migraines, des visions. C'est pas la fièvre, ni des hallucinations. Un horizon approche, traversant l'espace. Et voilà. Et si nous sommes toujours là. Vous avez vu? La clé de destruction, je l'ai perdue. Encore loin, mais il se rapproche à chaque minute. Il dévorera votre prison. Chaque personne à bord, et il aura toujours faim. Quelle sera sa prochaine destination? Je sais pas. Nous nous reverrons bientôt dans votre prison, M.U. M.U. Zone de fret, elle est là. Et normalement, quelque part, elle était censée y avoir. Clé d'autodestruction, mais on l'a perdue de vue, littéralement. À partir du moment où vous l'avez perdue de vue, elle disparaît. C'est génial. J'adore ce système, c'est pratique. Je crois que le jeu est complètement buggy, en fait. Le jeu est complètement buggy. Mais c'est bon, je rentre, comme ça. Pas. Ce jeu est buggé. Le conteneur, le numéro du... Oui, bah écoute. Le numéro du conteneur de monsieur, le conteneur. Conteneur du docteur. Pfff, d'accord. Ok, pauvre bonhomme. Ok. Coucou. Hop. On va le hacker. Crac. Heureusement que je suis mauvais, hein. Salut, bonhomme. Attendez, mais vous faites quoi? Arrêtez! Arrêtez! Je viens de le tuer. Oh, la gueule. Je viens de le tuer comme un con. Ah, quel con. Quel con. Quel con. Ah, la gueule, mais je suis vraiment débile. Merci. Quel con. Je viens de le tuer. C'était rigolo. J'ai adoré. Et alors ?
D'accord. Pour ok. Ça va être difficile d'entrer. Il n'y a plus de sas. L'explosion l'a détruit. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose avec les conteneurs. Ah, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Amarrer un conteneur. T'es rigolo, toi. Merci pour l'invitaillement. Je sais faire comment pour l'amarrer. Le prendre à main nue? Ah, rigolote, elle. Amarrer un conteneur, non mais... cette blague. Cadavre humain, tiens donc. Bonjour! Pas l'air d'être la forme, Simone, hein. Je t'ai connu plus dynamique. Amortisseur d'impact. Ça peut être rigolo ici. Sinon, je suis censé le mettre où? Putain, mais c'est violent. Tout ce qui se passe dans l'espace, t'es paumé. Panneau de commande des conteneurs. Ça y est, j'ai trouvé un truc. Ok. Entrez le numéro du conteneur, putain. Aide. Lui, ça pourrait être intéressant là-bas, là, celui qui a 80 mètres. Le mec, il tue d'abord le bonhomme, puis ensuite il le ramène. Histoire d'être bien sûr que... Deux, trois, un, deux. Allez, referme-toi. Non, lâche-moi. Honnêtement, lâche-moi. Deux, trois, un, deux. C'est parti. On y va. On va essayer de rentrer avant de se laisser, chers amis, quand même. Ça me plaît pas de vous mettre... Oh, il y a un transcrib. Putain, si j'avais su. Voilà. J'aurais pu le sauver, hein. Aïe. Voilà. Et attention, là, ça va être violent. Limite, ça vaudrait presque le coup de fermer la porte derrière, si je peux. Je peux la reverrouiller? Non, apparemment non. Ah si, il doit y avoir un bouton, normalement. À l'intérieur. Bon bah apparemment ils sont enfermés, on sait pas encore trop comment, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors en vrai, ce que je fais là, c'est une catastrophe. Je ne peux pas rentrer dedans, vu que le conteneur n'est pas pressurisé. C'est une véritable catastrophe. On va voir comment le jeu l'organise, mais... Ok. Puis, non, elle était... Ok, il y a du monde. Bon, chers amis, moi je vous laisse là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!